Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mais avant de nous rentrer dans le pays d'Haïti pour nous capables de. Parlons un peu de l'évolution de la situation politico-sociale pays. Hein? Et nous avons fait son volta la Maison Blanche, la Washington, bien vite, pour une fois qu'on connaît que président sortant, parlant de président Donald Trump, qui est au Tinon, M. Tino de Trompette, hein? Ben, M. Gellel a réussi à accepter. Pour quitter Maison Blanche là le 20 janvier prochain. Alors, selon déclaration ou bien tweet que il mettait dehors, il dit que si seulement le collège des grands électeurs proclamait la victoire de Joe Biden le 14 décembre prochain, qu'après là, on vote que va le faire. Avant que Tidodo gagne une information que l'autre monde ne connaît, puisque tout le monde connaît. Noir sur blanc que Joe Biden, ben c'est lui-même qui est président élu. Hein? Donc, lui-même, Donald Trump dit lui-même, il a accepté pour quitter Maison Blanche non, le 20 janvier. C'est si seulement le collège des grands électeurs proclamait la victoire de Joe Biden le 14 décembre prochain. Donc, et pour nous qui avons voté le 3 novembre, lui-même, il a passé opinion par lui, dit, que vrai par vrai, hein, je dis vrai par vrai, mais quand Trump allait, Trump a obligé aller pour permettre que l'Amérique respire une autre l'air. Alors, ce que je sais, c'est vrai par vrai, Haïti, hein, c'est le même qui est tourné moi ici, vrai par vrai, il faut l'aller. Donc, et c'est comme ça là, opinion, les cahiers, et en fait, un peu partout, sur toutes les réseaux sociaux, voulez parler, faut trop parler. En effet, faut de tout que gagner des questions d'affaires et sécurité, hein, qui est pour leur fois encore, qui sont ces dominés actualité, hein, mais faut de que ce ben ça, la police nationale là, bah, bon, j'en répondons, côté que Yomare, en pile bandit, à l'ambacode, et que quelques bandits tout mourir qui allaient aux ananas. Donc, naturellement, et nous pensons que c'est ce genre d'opération, ce genre de travail, ce résultat, que la population lui-même l'attend, la police, puisque la police, c'est un travail volontaire qu'il fait, c'est le peuple-là, payé la police-là avec l'argent taxé, et il attend que son obligation liée pour la police-là, pour la population en sécurité, malgré que l'autorité politique que le pays a, ils veulent utiliser la police là, leur propre intérêt, leur propre avantage par eux, leur propre vision par eux. Donc, nous pensons que, tant bien que mal, semaine ça, la police nationale là, faut sous que collé, ils le veulent être, au moins, ils prennent 5 comme conscience, et ils voient que la population qui est appauvrie, en bas, question bandit armé qui l'a payé, les capsimes d'œil, l'habitant population civile. Là. Donc, t'as vu Jean Doula, semaine ça, il a découvert cadavre presque 4 jeunes garçons qui mouraient. Et il y a 2 autres jeunes garçons qui mouraient sur motocyclette, nous pouvons arriver à gagner dans eux. Mais 4 jeunes garçons qui mouraient dans la ville là, c'est Frédéric Destiné, 24 ans, Jean-Oudi Rémi, 25 ans, Jefferson Damien, 26 ans, Ricardo Moïse Dufresne, 24 ans. Et que bandit assassiné la nuit dimanche 22 pour l'ouvrir le 10 23 novembre. Donc, nous connaissons la semaine là, et plus précisément mercredi, il y a un paquet de grèmes avec maman qui était en béton pour demander M. l'État et dirigeant le pays à Antical Justice. Il dit même le bouquet contre les cadavres et le bouquet avec question insécurité, cap valet, terrain, le pays à côté que si on ne joue pas passé. Eh bien, pour la population, même les pas compter cadavre. Et dans toute l'autre opération que la police fait, et plus précisément c'est dans une zone cité indépendance, la Gonaïve, il y a des bandits qui ont fait de 4
l'autre bandit que la police Fouquet mettait en bas-côte. Et il y a un bandit, Emmanuel, un certain Alfred, qui mourut en échange de tir avec la police, lui était 30 ans, et la police jouait près de 52,510 gouttes qui était sous chef bandisard. Donc, monsieur, définitivement, monsieur Ozanada, et la police démantelait les organisards qui étaient kidnappés, yon certains, et non capables de l'Itana, Saint-Ilma, dans une localité Troussam. Donc, il était fait dame ça a payé et famille payé près de 500 000 gouttes pour être capable de libérer les. À côté de ça, pour nous tout que samedi passé, population Léogamna, eh bien, ils ont lâché à coup de pochette près de 6 individus qu'ils ont accusés de vol en bœuf. Alors, on a vu que la localité Léogam, ça a été plusieurs mois même, eh bien, volaient pour l'espace Léogamna pour pouvoir voir les bœufs paysans. Eh bien, bien joué la guerre contre eux, population face à lâcher en miettes morceaux. 6 voix en bœuf et ils ont été tués sous 2 cadavres, bandits toujours, qui t'a accroché bœuf paysan dans la zone Iogan. Donc, pour tout le monde, samedi soir, son bon jour de hier, puisque, fois ça, population fait un match 1 à 0 sous bandits. À côté de ça, toujours, et pas du tout que gagné, et nous avons donc gagné la. La question de la sécurité toujours, de laisser frapper qui fait entre la police nationale avec un groupe gang armé la Mahoutière, entre Mahoutière et Wane 87. Et Fando gagne plusieurs mondes qui blessés par balle sur l'information, il y a près de 6 mondes qui sont blessés par balle. Et l'opération qui fait entre jeudi soir pour le vendredi matin, le quartier Tesson, entre Wane 83 et 87. Donc il y a un bandit tout qui m'ont perdu la vie sur l'information que nous lui rejoignons. À côté de ça, il y a un nouveau DG PNH là, Léon Charles, et il y a peu qui déposé pour lui devant la justice, il a poursuivi en justice pour tentative d'assassinat, assassinat, association de malfaiteurs, violation des droits humains et abus d'autorité. Donc c'est un peu qui était déposé lundi dernier par André Michel. André Michel, que tout le monde connaît, que c'est le porte-parole du secteur démocratique. Donc, c'est le cadre d'instruction qu'ils ont déposé plainte ça, ensemble avec les victimes de la manifestation du 18 novembre dernier au Champ de Mars. Donc, c'est comme ça, question, il même l'idée. Et puis, il faut souligner pour que 3 mois après l'assassinat de Monseigneur Dorval, toujours pas qu'un verdict d'une structure qui porte le nom, nous c'est Dorval. Eh bien, je déclenche là en pile pression sur pouvoir en casse là, avec la justice pour faire lumière, autour des actes crapuleux ça, côté que j'ai assassiné M. Monferrier Dorval, 28 août dernier, en PLRSEC. Gagné M. Cassian, Philippe, Fleuriska, Duchel, avec M. Ramon Gianlui. Mais tout le monde sait, c'est même structure qui est liée, nous c'est normal là. Nous savons, eux-mêmes me disent qu'il y a fait pousser jusqu'au bout. Hein? Jusqu'à ce qu'ils arrivent à joindre justice pour mettre mon ferrier normal. À côté de questions, nous parlons de taux de sécurité qui vient de monter bien haut. Et nous pensons tout que semaine ça là, tout, et gagner en tout le monde. Qui a fait questionner la position des organismes de droits humains en pays. Ils continuent à fabriquer rapport, ou bien monter rapport, ou bien créer rapport contre la police nationale, ou bien contre une série d'instances dans chaîne policière là. Et il y a tout que il y a un pile monde qui pensait que le moment est très malvenu pour l'organisation de droits humains, un pile label que vous connaissez. Qui a vive de subventions ambassade occidentale dans la capitale là, puisque M. Douali ne sait pas comme travail, c'est au contraire fabriquer rapport, faire rapport, bailler rapport ou bien vendre rapport. C'est comme ça, business là lui-même lié. En tout cas, je pense que moment très malvenu devant ma sécurité qui l'a payé ça, à côté que bandit a fonctionné couloir dans le pays,
pour que l'organisation de l'Ajumé a fait pression, a baillé pression dans un peu de rapport à l'ambassade. C'est presque divers pour émission de réaction dans la capitale là, qui demandait à l'organisation de l'Ajumé pour baillé la police nationale là, et bien, il y a un brique, quitter la police nationale cette année, quitter ou nettoyer Cabral Bandit, Bandit capturer la population, puisque la population est victime. Eh bien, et droits humains, l'organisation des droits humains, pas aidé au crier. Ils n'ont pas demandé justice pour eux. Au contraire, c'est tant y a tant, côté qui gagne un faux parfait, ils ont pleuré l'amour, pour côté qui gagne un bassac qui fait, pour monter le rapport, écrire le rapport, fabriquer le rapport, créer le rapport, pour capable de faire l'argent. Donc, tout le monde pense que pour fin d'année là, la police a une obligation, je dis bien, a une obligation pour mettre la paix dans le pays. Mettre la paix. Alors, on peut mettre la paix, que c'est la police qui peut prendre responsabilité pour mettre la paix dans le pays. Naturellement, il y a un grand débat qui a fait blâmer DEA sous la nomination de Léon Charles, que divers observateurs pensent que c'est une nomination qui est inégale. Et nous pensons tout que nomination est inégale, et puisque Léon Charles pas un policier encore depuis presque 15 ans. Il est seulement passé 16 ans comme directeur général de la police nationale et ce grade-là, le grade de DG de la PNH, c'est la dernière fonction que peut occuper un policier. Hein? Donc, une fois qu'on passe l'étape ça, hein, de directeur général, on passe l'étape ça, Mais on ne fait pas partie encore de l'institution policière. Article 22, loi du 29 novembre 1994, qui portait sur la création de la PNH, organisation avec fonctionnement police nationale là, de GPNH là, il est secrétaire du CSPN, le secrétaire général du CSPN, ou le secrétaire exécutif. Donc, n'étant ni directeur central, ni commissaire divisionnaire, n'étant pas habilité à occuper cette fonction. Donc, pour qu'on ait un directeur général, il faut que ou soit qu'on soit directeur central ou son commissaire divisionnaire. Là, ça, ou en ligne ou en position pour être directeur général de la police nationale. Mais en outre, selon l'article 22 de la loi du 29 novembre 1994, et selon Jean question IA, le grade de DG PNH, c'est la dernière fonction que peut occuper un policier. Donc, Léon Charles a gagné un lien de chercher là, la tête de la police là, selon tout ça qu'il dit, selon ça que loi éterne la police là, il n'en dit tout. Donc, nous souhaitons que Jean-Luc Héroïs Sayo, que le prédécesseur de l'eau était commet et qu'a commet encore une média là, il nous l'a pour le suspendre Gary Fibret, la tête institution policière là. Il est temps pour nous mener question avec le sens du sérieux, puisque nous avons parlé que nous voulons état de droit dans le pays. Et si nous voulons état de droit, il faut que le système ça, le genre de décision ça, le genre de nomination ça, il faut nous éradiquer, il faut nous finir ensemble avec eux. Donc, nous pensons que Jean-Marc Aristide, ancien président, docteur Jean-Marc Aristide, fait même les USA, il était choisi un juge. Un juge femme, qui devait être carrément directrice générale de la police nationale. René Breval s'est choisi lui-même carrément qui est organisé comme Jean-Mili Mokopelli, qui était un civil, qui va même passer dans l'académie de police. L'État qui est organisé, il fait le directeur général de la police nationale. Et sous gouvernement de transition Boniface Latortua, et sous garde bien, et ça que l'article 22, loi 29 novembre 1994, là, qui portait sur la création de l'organisation, le fonctionnement de la PNH, Mario André Sol, malgré tant bien que mal, il est bon travail à la police là, mais, et choix par là, il est légal tout. Donc, si on parlait de choix qui était fait, le Jean-Marc Aristide était choisi directrice générale, ils auront ce juge pour une directrice générale, vous devez pas choisir. Et lui-même qui est organisé et malheureusement de seul lui-même l'a choisi là, il était en dehors police là, il était en dehors pays. Donc il n'y a pas d'institution policière encore. Quel va
pas démissionné, que de démissionner, eh bien, Marion de Sol t'abuse en dehors pays. Il n'est pas policier encore. Donc, article 22, loi 29-94 là, qui porte sur la création de la PNH, organisation et fonctionnement PNH là, il dit clair comment que nous devons choisir un directeur général pour mettre en tête la police là. Alors, ce jour, nous voyons que, comme groupe là, beaucoup de parler, lui mettait là une pression élastique sur le pouvoir PHTK. Mais, d'abord que ce joueur Jean-Olive, avec Fantègue là, qui là. Et donc, le département d'État, comme tout ça que Jovenel doit faire pour faire au content, il y a un problème tout pour endosser tout ça que Jovenel a fait. Sauf qu'on l'aimait, les ambassadeurs d'Allemagne, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, France, Union Européenne, représentant secrétaire général OEA, représentant secrétaire général l'ONU, ils ont tous brassé la même chaudière. C'est même là où il y a toujours. Puisqu'ils font une déclaration pour dire qu'ils souhaitaient pour Haïti l'année 2021 capable celle de renouvellement démocratique. Alors, c'est un souhait, naturellement. Mais même en même temps, ils ont sollicité une accélération des préparatifs des scrutins à venir pour que les dirigeants, les institutions du pays a urgentement publié un calendrier électoral. C'est-à-dire que, où est là, donc le corps groupe, ou bien les ennemis d'Haïti, un problème où il est là, il y a un calendrier électoral. Quand son élection pour éviter, pique collé, ou bien on l'élection chancelle, et bien depuis que quelqu'un a voté, il y a un problème du tout avec le résultat à passer. Il demande d'accélérer la distribution de cartes d'identification nationale pour finaliser les listes électorales fiables. Et bien, nous, la semaine ça, Jovenel Moïse débloque un pile d'argent là pour ONI. Il débloque l'argent tout. Il a un pile machine là pour ONI capable de continuer à fonctionner dans tout le pays. Adelante, pas de problème, tu te sous ça. Élection tête droite, pique-coller, GPT. Et donc, élection centrale, que je vais venir pour ça va passer. Est-ce que nous voyons côté que qu'on groupe là, ils ont dit que pour mettre en place une loi électorale, nous voyons le conseil électoral là préparé là pour mettre une loi électorale dehors. Et puis une loi que tous les partis politiques sont capables de garantir que l'élection a fait en transparence et assurer que les conditions sécurité sont suffisantes pour permettre le bon déroulement du scrutin. Est-ce que nous voyons et que qu'on groupe là parlé de G9 qui est occupé, qui cadre le pays là? Qui l'est le corps groupe là avec les Haïtiens? Adelante qui était droite. Corps groupe besoin garantir le retour des bandits illégaux au pouvoir. Et corps groupe là pas intéressé à question des affaires gang G9 avec qui a pas de problème qui occupe quatre pays. Corps groupe pas de problème la corruption, impunité qui le pays. Que l'élection faite en bas coup de balle bandit armé et après résultat, il a aidé contre cadavre. Eh bien, comme de tout que quand le groupe là, il pas attendu, il n'y pas attendu tout pays a capté de l'amour contre l'inégalité sociale. Adelante, élection tête droite, eh bien, l'élection fait faite, il y a raconté cadavre. Donc, c'est comme ça là, c'est la politique, c'est le nouvel ordre mondial là, hein, et côté que nous, quand le groupe là, il n'y a pas de position claire pour dire que lui-même, il n'y a pas de problème du tout, tout le monde a marché très bien sur la houlette. Adelante, tête droite pour l'élection. De l'autre côté, il y a M. Ryan Caldal, qui est secrétaire général et secrétaire adjoint par intérim dans le bureau des affaires législatives du département d'État américain. On l'a. En réponse, il voulait le député Frederica Wilson. Eh bien, représentant ça, il n'a pas rien. C'est presque c'est bac qui bac bouche, miam miam, et puis le divers là. Que c'est pour l'élection législative faite dans le pays, hein, pour une réforme constitutionnelle qui fait, je suis dans le monde qui est d'accord pour une réforme constitutionnelle qui fait, pour les affaires sécurité, hein, et du coup, le département d'État a demandé pour mettre Dorval justice et pour arrêter le monde qui est participé dans l'assassinat avec Dorval. La question de Jimmy Barbecue Cherizier, il a demandé pour arrêter Jimmy Barbecue Cherizier, puisque Michel a participé dans plusieurs massacres dans le pays. Hein. C'est ça, oui. Et ça, seulement secrétaire adjoint par intérim. Le bureau des affaires dans la cour législative, on n'est pas près d'État, lui-même lui fait compte. Donc, ceci dit que nous connaissons le corps groupe
dans l'affaire Haïti, États-Unis devant. États-Unis qui occupaient l'espace là. Et monsieur, il n'y a pas de problème, il y a l'administration trop plein, jusqu'à 20 janvier, il n'y a pas aucun problème du tout avec chaque question qui est en Haïti. Et c'est là tout, nous pouvons demander tout pour le rejeter l'âge, pour contrôler l'administration Joe Biden là, le 20 janvier, pour voir que est-ce que va faire même coup de guidon avec même politique que la Trump a mené dans le pays d'Haïti. Donc c'est comme ça que la question lui-même lui a fait évoluer. Et puis nous parlons finir dans moins de 3 minutes. On parle donc tout que gagne question des affaires d'Adou, Jean-Baptiste retourne encore. Gagne commissaire gouvernement Kwadi Boukaya. Et c'est maître Edler Guillaume. Je fais qu'on est là et lui-même lui dénonce l'ordonnance non lieu que magistrat Emilio Axinebaye en faveur d'Adou Jean-Baptiste déclaré, qui déclarait que je suis coupable d'abus sexuel sur des jeunes footballeuses haïtiennes et radié à vie de toute activité liée au football par la FIFA. Donc, il dit carrément que Yves Jambard va être de nouveau poursuivi pour agression sexuelle sur mineur, a fait savoir maître Edler Guillaume, commissaire gouvernement Kwadi Boukaya. Donc, commissaire gouvernement, lui-même, il a déjà interjeté appel ordonnance juge d'instruction Emilio Axime, et on ne trouve que son coucou rouge. Plutôt que juge Emilio pas sorti rapport en faveur d'Adou Jean-Baptiste, au moins d'Adou Jean-Baptiste pas respiré. Même le BINU, ambassade américaine, l'ambassade lui-même son notre point que vous voyez, il nous aurait que la justice haïtienne pas arrivé à aboutir à une enquête sur la question d'affaire d'Adou. Et puis même côté à plus gros coup de couteau, c'est BINU, c'est le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui se tourne là, côté que. Et nous parlons de que il fait part de préoccupations quant au comment dire bagaille encore préoccupation quant à bagaille de non lieu que l'autorité judiciaire rend en faveur le dossier et d'abus de pouvoir d'agression sexuelle qu'on est perpétré. Donc BINU considéré que l'élément de ce SAO est très inquiétant et demandé qu'un processus judiciaire indépendant et complet soit mené afin que les victimes présumées obtiennent justice. Ça, c'est 10 minutes par les consacres. Hein? Donc, et vous en là, Calvel d'Adou Jean-Baptiste fait commencer. Calvel, vous finir, non? Donc, Calvel fait commencer, puisque l'homme qui lui met là, il lui met d'aller. Il n'a plus tout que gagné ministre en condition forme, non? Un certain Ghislaine, mon premier, lui-même, il a annoncé tout, et lui-même, il va le faire, j'en parle, il va le faire partout, au niveau judiciaire, pour être capable de freiner d'Adou Jean-Baptiste dans le tribunal. Donc, c'est la situation lui-même liée, et puis on connaît ce matin, et bien le dieu du football argentin, Diego Maradona, un homme qui a une vie courte de succès, et bien je fais, et bien, je fais pas cela, l'albaïcole l'enlève, pour ça. Donc, avant aller, on va parler de Maradona, et c'est vrai. Gon information sur nouveau directeur et chef police là monsieur était sorti dans Gatcote monsieur était non ça nous clair de ça nous connaissons monsieur c'était responsable Gatcote que le dire avant même que monsieur était DG la police nationale. L'autre bagarre encore c'est que c'est sous recommandation du département d'État que te voyez monsieur comme attaché, nous pas qu'à dire attaché militaire, mais attaché police. Donc c'est que monsieur pas jamais suspend quitter fonction publique. C'est ça qui fait que monsieur saute en catégorie différente, que l'irréintégrer fonction publique, le tourner comme directeur là. Ça veut dire pas jamais quitter et fonction publique, quitter toujours au service du gouvernement et de l'État haïtien. Ouais, bon, même que il est toujours au fonctionnaire public, mais pas oublier que le dernier poste que monsieur t'a occupé là, c'est ambassadeur que le dit à l'OEA. Oui. J'étais ambassadeur à l'OEA, de monsieur, nomination monsieur A, et lui clairement, là, pas gagné route par bois, nomination monsieur A est illégale. Il est illégal et c'est pas pour la première fois que prédécesseur de l'OEA fait grandir l'OEA. Je cite les attalés là. Il m'a qu'à réussir de faire les. On va en dire là. Il y a juste choisi un homme
Parce que, pas oublier que le poste directeur général de la police arrivée à son poste politique. Le président, le premier ministre, le président, le plus souvent, la trahison pour le chef de la police, il choisit en fonction de à quoi une tâche que vous avez comme ça, ça que vous avez comme ça, est-ce que ce monde qui a reçu ses ordres pour faire ça que le modèle pour le faire. Vous comprenez là? Donc, Léon Charles, parce qu'il n'y a aucune affiliation avec la police, le moment c'est à côté que vous choisissez comme DG de la PNH. Nous clair sur lui, et nous croyons que Tabou Jandoula, c'est un bagaille qui peut le faire un gros débat. Hein? Article 22, la loi sur création PNH, là, organisation à fonction PNH, là, il dit clair comment que tout le monde, ou bien les policiers, ou bien DG de la PNH. Nous d'accord que M. Télan, puis aux fonctions, il est attaché à l'ambassade d'Haïti à Washington, mais bien d'accord, hein? Il y a un gros bout de temps, combien de temps ça a gagné? Monsieur, c'est le chef de mission que le gagné, il est ambassadeur à l'OEA, Organisation des États américains, qui n'a rien pour avec la police nationale encore. Parce que je gagne 15 ans depuis qu'il était police là. Et déjà, on a passé 16 mois à la tête de la PNH. Que son fonctionnaire public que le dégage, le choix là, il était, je ne veux dire là, un choix qui est illégal. Bon, c'est comme ça que tu as présenté, monsieur, pratiquement pour dire que, bon, c'est pas retourner, monsieur, retourner encore. C'est monsieur Pacham qui t'est. Alors, c'est sa situation, est, définitivement. À la prochaine. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable jouer nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.